Merci. Du coup, le dé. Ouais. 4. Je vais te laisser la main. Ok. Je vais te laisser la main. 1, 3, 4 et 5. Ah, ça part bien. ça va se faire. 7, 1. Je vais faire 7 dégâts. Oui. Tu veux. Allez, va. Non, mais. Vas-y, et je vais défausser. Je vais faire H. Ok. Donc, pas d'effet, mais je bannique. Oui. Ouais. Ça fait chier. Ok, bah attends. Ah moi, ok. Bon. Oh putain, mais mon deck j'ai foutu. Hop, tac. Du coup, je vais invoquer spécialement Nova en te dévoilant trois cartes de noms différents cubiques. Ok. Tu joues cubique? Ouais. J'ai jamais fait ce deck. Alors, si tu veux regarder la, la carte, regarde, allez. Alors, du coup, Cubic, c'est un monstre à 3000, il n'est pas affecté par les effets de monstres qui ont 3000 et moins. Ok. Tac, tac, tac. Dès qu'il détruit un monstre, il peut taper une deuxième fois. Mm-hmm. Et à la fin de ma end phase, on prend 3000 de dégâts au niveau des life points. Fun. Oui. Très fun. Pour l'invoquer, c'est un effet de ta main. Oui. Comment ça, un effet de ma main? Je veux dire, son invocation spéciale, c'est un effet de ta main. C'est un effet dans ta main pour l'invoquer spécialement. Bah, faut, pour l'invoquer, j'ai besoin de te montrer trois cartes cubiques. Ok, c'est juste la condition d'invocation, c'est voilà. Pas un effet de la carte. Non. Ok. La condition, c'est je te montre, je te dévoile trois cartes de noms différents cubiques. ouais. Alors du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire karma cubique. Alors karma cubique me permet d'envoyer trois vijam maximum de mon deck au cimetière et à chaque vijam dans mon cimetière, il prend 800 en plus. Ok. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Alors, je vais envoyer 3 vijam graines cubiques. Et du coup. 300 c'est... en plus, hein? Hein? 300 en plus par carte? 800. 800 en plus par carte? Jesus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux jeter un œil? Non, c'est, vas-y. C'est 800 en plus. Donc il y a 5400? Oui. Je vais activer un autre destruction. Oui. Qu'est-ce que tu veux couper? Faire ton. Ton âme. Ouais, et ça fait. Tu veux le. Tu vois? Non, mais dis-moi juste. Tu prends des dégâts à garder son attaque. Ouais. Si tes life points sont supérieurs à son attaque, ce qui est actuellement le cas. Mais life... ouais. Et je les prends aussi. Donc on prend tous les deux en fait 5400. D'accord, ok. T'as coupé? Non. Non. Ok, du coup elle est détruite. Est-ce qu'elle est détruite? Ouais, elle est détruite. Elle est détruite? Ok. Alors. Du coup, je vais poser une. Je vais dire une phase à toi.
For real. Je vais rien faire, je vais passer mon temps. Ok. Bon. Pour l'instant, on a 2600 points de vie chacun. Je vais dire à toi. Ça va. Enfin, ouais. Il se passe bien, je vais. Ouais. Jesus! Tu vois? Attends. À moi, allez, bro. À piocher. Non. Tu joues ça? Je pioche, je repioche. On a une chance inouïe tous les deux, je pense, c'est un truc de fou. Ah ouais, non mais. C'est fou. À toi. Merci. Non mais. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je pose une main, mais c'est à toi. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vas-y, chope une carte qui peut servir. La pioche. Un de face à toi. Ça. On n'y arrivera pas. Hein. Non. Je fais la poser quand même, mais c'est à toi. Ok. Gros. Tu peux jouer? Non, à toi. Génial. Ah, je peux jouer. Ah, c'est bien ça. Ok, invocation normale. Est-ce que ouais. Est-ce que ça passe? Oui. Ok, effet. Me permet de chercher dans mon deck un monstre sorcière vent. Ou vent, si j'ai pas de conneries, avec 1600 monstres. Oui, 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 tu peux. Oui, juste un tu monstre sorcière vent. Okay. Tu peux y aller. Je vais aller chercher. J'ai pas mis le neuron pour combien on était. Ouais, j'ai pas suivi non plus. J'avoue. À tous les deux perdus, 5400, c'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est tout ce qui s'est passé de toute façon. C'était ça, 5400 Oui, parce qu'elle avait 5400, elle avait 3000 plus 800 par monstre que tu as envoyé au cimetière, donc 300, enfin, 3 fois 800. Du coup, j'utilise son effet pour aller chercher oui. Sorcière vent, gel clochette. Pardon, c'était moins 5400. 5400. Tu vois, on en parle, mais c'est moins 5400. Tac. Donc son effet, c'est bon, je vais aller chercher. Oui, oui. Ok. Donc ajouter à la main. Effet de sortir avant j'ai le clochette, je peux l'invoquer si j'ai un autre monstre, enfin si j'ai que des monstres, bon, donc j'ai le clochette. Oui. Ok. Oui, oui. On est bon. Je vais utiliser son autre effet qui lui permet d'augmenter son niveau de 1, mais m'empêchera par la suite d'invoquer des monstres autres que vent. D'accord, ouais. Et je vais faire une invocation synchro, sans pénaliser. Oui. Et je vais invoquer. Cloche d'un. Synchronisation, c'est... D'accord. Okay. Petite synchro de. Ok. Effet de cloche diamant. Ouais. Je peux t'infliger des dégâts égaux à la moitié de l'attaque d'un des monstres vent clochette que j'ai envoyé, enfin que j'ai utilisé pour okay. dans mon cimetière. Donc je vais t'infliger 750. Ouais. Et son autre effet, c'est que quand tu prends des dégâts, je peux détruire une de tes cartes. D'accord. Donc je vais détruire ta carte face cachée. Ok. Ok. Aussi pour info, une carte invoquée par synchronisation avec cette carte ne peut pas être détruite par moi. Ok. Ensuite, je vais utiliser un carillon sur servant qui me permet d'invoquer un autre monstre sur servant si j'ai un monstre sur servant. D'accord. Et je vais m'en servir pour invoquer. Oui. Son seul effet, c'est pour l'invocation, je peux l'invoquer normalement si j'ai pas d'autres sorcières vent. Enfin, mm-hmm. Si j'ai que des sorcières vent, pardon. Et son autre effet, c'est que je peux aussi l'envoyer au cimetière pour t'infliger 500 points de dégâts. D'accord, ok. Du terrain ou de main. D'accord. On va faire Battle Phase. Ouais. J'attaque pour 1800 d'abord. Ouais. Ça passe? Ouais. 2800? Ça passe. Ok. Star. Ok, c'est on a bon. Tous les deux briqués, incroyable. Tu veux voir ce que j'avais dans la main ou pas? Pourquoi pas si tu veux me dévoiler ce que. Ah oui! Je les ai piochés à la chaîne. D'accord, ok, moi j'avais ça quoi. Ouais. Ah oui! Je sais pas ce qu'elles font, mais que des magic pièces, tu vas pas aller loin effectivement. Non, 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 non. Ça aurait été dans d'autres circonstances, pourquoi pas, mais c'était pas le bon mood là. C'était pas le.
Non, c'était. Je peux side deck. Deux. Le... Side deck. Oui, 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 c'est les règles. Non, 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 mais... C'est la première fois que je joue. D'accord. Normalement, je joue tout seul, donc. Mais bienvenue. Merci. Faut venir plus souvent. Faut venir plus souvent, justement. On ouais, cherche. J'habite son nom, en fait, donc ça fait mal. Ben moi aussi. Ah bon. J'habite à Palmer. Ah. Ok. Et du coup, tu es en bagnole alors? Non, en moto. Ah, c'est à toi, ouais, d'accord. Ah, mais moi je suis garé juste à côté, une moto à pédale. Le vélo là. Alors, tiens, si tu veux couper. Après ce nom ici, ça va, c'est pas si loin que ça. Ouais, c'est juste faut pas être en panne quoi. Comme à Bécane, j'ai souvent des réparations à faire dessus. Mais là ça va, je suis en train de passer le permis voiture donc. Mais c'est quoi, c'est une 125? Non, c'est une 50. 50 trafiqué en 80. Ah oui. C'est parce que c'est de la mécanique maison que j'ai beaucoup de problèmes. Ah ouais. Ouais, ouais. Peut-être que tu n'aurais pas touché. Non, j'aurais pas touché, elle montrait pas plus de 45 km. Ouais, voilà. Là, je peux aller à 140. Ah, tu tapes du 140 avec ça? Ah, mais si, ouais, si t'as un kit dessus 80, ouais, c'est sûr que. Ouais. Allez, hop, on va faire en deux, tac, et tac. Du coup, je vais te laisser commencer, ouais. Merci. ouais. Je vais poser une. Je vais juste faire ça et passer. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on va piocher. Ok. Du coup, je vais commencer par faire le prêt invocateur. Prêt invocateur, quand il est norme, je peux le mettre directement en mode défense. Mm-hmm. Je vais faire. Je vais défausser un. Je vais payer, en fait, un coup. Pour aller chercher un monstre de niveau 4, l'invoquer spécialement. Ça marche? Ouais, ça va, celui-là je compte. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, du coup, je vais invoquer Dusa. Je vais faire l'effet de Dusa. Ok. Envoyer une carte de mon deck au cimetière. Ouais. Cubique, une carte cubique. Je vais activer juste. Oui, vas-y. Chaîne. Comme une piège. Ça permet donc d'aller chercher un autre piège normal. Ok. Je le 7 et je pourrais l'utiliser ce piège. Ok. Cool. Ça marche. T'as autre chose dans la chaîne ou pas? Non, juste que je peux quand même défausser. Ouais, tu peux, ouais. Okay. Ça n'annule pas ton effet, hein. Ok. Juste,
Je vais aller chercher un autre de structure. Ok. Ok, ok, ça marche. Du coup, je mélange pas, je vais non, je sûrement sais, faire. Moi, j'ai autre pas autre chose, donc je passerai pour que tu coupes si tu veux. Ça marche. Du coup. Hop. Et toc. Ça va ? 1006. 1006. Non, c'est pas énorme. Du coup, je vais faire une lien 1. Ouais. Je vais faire une lien 2. Ok. D'accord. Je vais détruire une carte. C'est pas lui qui détruit une carte ? Si je défausse. Ah, faut que tu défausses. Ok, ça va. Et du coup, je vais utiliser. Ça fait comment en français ? Fantôme du défunt ? Oui. Sur ton Phoenix. Donc, okay. Ça annule son effet. Et si il quitte le terrain avant la fin du tour, tu prends son attaque en dé. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je vais faire. Je vais pouvoir bannir ma carte piège pour aller chercher un monstre de niveau 4 cubique. Ok. Et l'invoquer spécialement sur le terrain. Alors du coup, hop, faire Dusa, faire effet Dusa. Rebelote. J'ai envoyé la même. Du coup, je vais refaire. Je vais faire une lien 3. Ok, donc tu prends les dégâts de. Ouais, 1009. Okay. Ouais. 1009. Je vais activer un dessus. Ok. Donc on prend tous les deux son attaque en. 2002. Du coup, je vais faire. Ouais, je vais défausser. Mm-hmm. Bah, défausser, envoyer bannir. C'est défausser le cimetière. Ouais. du coup, je vais chercher un monstre de niveau 4. Okay. Est-ce que ça marche ? Ouais. C'est le même ? Oui, c'est le même. Ok, donc il renvoie un autre piège au cimetière ? Alors, du coup, que je réfléchisse. Là, on est encore tour 1. Hein. Oui, on est encore en tour 1. Ouais, encore tour 1. Ok, ça marche. Alors, du coup. Ok. Je vais envoyer. Je vais envoyer le karma cubique. Ok. Je vais envoyer le karma cubique. Un gigot à boîte comme ça je crois aussi parce que du coup elle a un effet dans le cimetière et un effet sur le terrain. Alors quand elle est au cimetière je peux la bannir et je cible un monstre cubique dans le cimetière et je peux l'ajouter à ma main. Okay. Du coup je vais la bannir. Est-ce que ça marche? Je vais aller chercher Dusa que je vais mettre dans la main. Ton invoque normal c'était le moine ça? Oui. Et du coup, je peux tac ça là, je peux la, je peux bannir. Alors, vous pouvez bannir cette carte, ajouter un monstre cubique de votre deck à votre main. Okay. Du coup, je vais la bannir. Mm-hmm. Je vais aller chercher c'est un monstre, une carte, un monstre. Alors attends, je regarde. Ça. Ok. Du coup, je vais aller chercher. Je vais chercher Vijam. C'est celui à 3000 de tout à l'heure, ça ? Non, celui, non. Il est à 0-0. Ok. Et du coup, je vais mélanger.
si tu veux couper. Ah pardon. Tac. Du coup, je vais invoquer spécialement Nova en te dévoilant 3 cartes de noms différents cubiques. Mm-hmm. Nova, Vijam et la cubique. Hein? Non. Voilà. Et je vais dire. J'ai posé une. Et du coup, je vais dire à toi, une phase. Elle a une phase, on prend 3000. Ouais. C'est risqué ce que tu fais contre un deck burn, mais. Je sais. Je tire pour toi. Ah ouais, ah, ça va pas pardonner. Je commence par un plumeau. Ouais. Ok. Je poursuis par un caillou sur ton 3000. Ouais. Je vais faire un vote normal ici. Ouais. Même effet tout à l'heure, je peux aller chercher un sortir avant. Je l'autorise ou pas? Du deck à la main? Ouais. Je vais faire H. Ok. Ça détruit pas H, sinon. Ça annule juste 5. Non, ça annule. Tu peux pas aller le chercher. Ok. Juste. 1500, lui il a combien? 1006. Ok. Je vais. Ça me prendrait mon invoque normal. J'ai pas besoin de le faire à ce tour. Donc je vais dire Battle Phase, Main Phase 2, position défense. Oui. Et ça. À moi ouais. Ok. On va piffer. Elle a un effet quand elle part au cimetière? Pas à ma connaissance. Elle est en espagnol en plus, c'est génial. Ah ouais, ok. Elle pour le resto de tout le monde, le poney local, le mono espacial, l'expression. Ouais, non, sur notre seul effet, en fait, c'est que je peux pas invoquer d'autres monstres à part des monstres blancs pour la seconde. Je suis pas à l'utilisation de son effet. Ok, ok, ok. Du coup, je vais invoquer normalement Dusa. Mm-hmm. Je vais pouvoir aller envoyer une carte. Cubique ou carte magie piège. C'est ça, c'est magie piège. Ouais, c'est magie piège ou au cimetière cubique. Donc dès que mon cimetière, je vais envoyer. Je vais envoyer Karma. Du coup, je peux la bannir pour ajouter cubique de ton deck à ta main, un monstre cubique de mon deck à la main. Hein? Et je crois que c'est pas un arbre non plus. Mais non. Je vais chercher une Nova. Ok. Légalité forcée. Non, c'est bon. Du coup, hop, si tu veux couper. Merci. Du coup, je vais passer. Je vais passer en battle phase. Mm-hmm. Il a combien? Il a mis 1500. Je peux y aller. 1500. Mais je vais, cela, ça peut, ça je vais taper avec Dusa. Ouais. Je vais taper avec Gamciel. Ouais, je suis mort. Et là, tu lui réponds des go. Tiens. C'est pas ça. Alors, ça du coup. Tellement beau. 1-1. Quoi? J'aurais pu lui faire 500 de dégâts, mais c'est tout. Ouais, c'est pas bien. T'as pas grand chose, non? Mange 3 ou mange 2? Mange 3. Qui a gagné, du coup? J'ai fait la première. Il a fait la première, j'ai fait la deuxième. Ah oui, le duel d'handicapé. Ah. Non, mais on s'en sort, mais à cloche-pied. Hop. Il nous reste une. Il nous reste une. Ah non, vous avez dit que vous étiez la vous avez fini la troisième. On passe à la troisième. On passe à la troisième. On remonte de loin. Hein. Je vais
Bah, va prendre l'air. Tiens, si tu veux couper. Merde. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Rien d'autre. On a combien de temps, je crois? Je sais pas. Je sache si je suis mélangé comme ça ou si c'est juste trop long et que ça fait chier. Non mais vas-y, faut mélange, fais à ton aise, hein, écoute. Non, c'est juste, je voudrais pas. Ah, jouer le time? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, c'est les règles. Et après, si tu veux mélanger tes cartes pour optimiser ton jeu, c'est ton droit. Surtout que si j'ai des cartes identiques qui se collent et qu'elles viennent dans ma main, c'est la merde. Genre, c'est pas le deck où je veux que ça arrive. Comme je l'ai vu tout à l'heure, ça pose problème. Non, je comprends. Tiens, hop. Du coup, ton extra deck est de la même couleur que ton même deck. Ça c'est. Ah non, je l'ai pas vu. C'est okay. Celui-là, l'extra. Ça c'est le side. Ouais, je side. Et du coup, j'ai pas. Ah non, c'est à toi. C'est à toi de choisir. Je vais commencer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'imagine que. Ouais. Ah, ça va être. Oh, d'ailleurs, histoire. Tac. Ok. Je vais commencer par activer l'effet de la sorcière de glace qui me permet, si je ne contrôle aucun monstre, de l'invoquer spécialement. Et une fois qu'elle est invoquée spécialement, je peux invoquer depuis mon deck un autre monstre sorcière. Oui. Ok. Oui. Okay. Donc, activation de l'effet, je vais aller chercher. Oh, vous êtes en feature là. Je vais aller chercher. Il est trop bien, c'est clair. Je vais aller chercher. Je connais pas son nom en français, ça m'aide pas. Oui, une sorcière. Oui, qui donc s'invoque aussi, c'est l'effet suivant. Ok. Ok. Je vais ensuite essayer d'activer son effet, qui me permet d'ajouter un sorcier avant mon deck à un moment. Ouais, vas-y. Ok, j'ai quoi déjà dans la main? Je vais aller chercher. Une bizarre clochette. Tac. Et merde. Je vais utiliser l'effet de sorcière de gel. Oui, l'équiper. Ouais. Qui donc s'invoque spécialement. Ah, okay. Si j'ai que des monstres sans faire voir. Mm-hmm. Ouais. Je vais ensuite utiliser mon invocation normale par l'effet de la pochette bizarre qui mm-hmm. permet de s'invoquer normalement si j'ai que des monstres sans faire de sacrifice. D'accord, ok. Que des monstres. Voilà. Ok. Je vais ensuite faire en invocation synchro, on va utiliser ces deux-là, mm-hmm. et on va faire un ça que je veux faire. Bon, allez. On va faire un Pegasus devant à Team Minister. D'accord. Ce que j'ai utilisé, c'est ces deux-là. Oui. Oui, donc ça fait 8, donc je suis un tarde. Ouais, c'est 7 là. Bon, on va faire ça. On va faire un clochet de diamant. Donc, effet de. J'ai oublié un effet trop tard. Vas-y. Ben, en fait, quand elle est invoquée comme ça par son effet, elle inflige 500 points de dégâts. Ok. Je crois. Ouais. Merci.
Du coup, son effet à lui, qui me permet de t'infliger les dégâts de la moitié dans les monstres sur servant dans mon cimetière. Ouais. Et tes frères une carte, si je prends des dégâts, mais il n'y a rien à te faire. Donc tu prends du coup 750, puisqu'elle a 1500. Ok. 750. Merde. Ok. Et je vais ensuite faire une invocation synchro entre ces deux-là. Ouais. Je vais invoquer un Shen Shen du monde virtuel. Synchro 8. Ouais. Synchro 9, parce que je peux augmenter son niveau de. Ah, ok. Ok, ok. Et du coup, il n'est pas détruisible au combat. Non, destructible au combat. Ça marche. Son effet, c'est que toutes les cartes qui doivent aller au cimetière sont bannies à la place. Ok. Tant qu'il est sur terre. Ok. Il a un autre effet, je crois. Mais on s'en fout parce que je pourrais jamais m'en servir. Ah si, une fois par tour, je peux prendre un monstre qui est banni soit à toi, soit à moi et le renvoyer au cimetière. Ok. Et une fois par tour, tu peux envoyer un monstre banni, je peux le retourner au cimetière, que ce soit à toi ou à moi. Et le premier effet, tu m'as dit que. Le premier effet, tous les monstres qui devraient aller au cimetière sont bannis à la place. D'accord, ok. Que les monstres Tout ce qui devrait aller, oui, je compte. Mais, toutes les cartes. Ça dit « Any card sent from the field to the graveyard is banished instead. Okay. » Donc toute carte, okay. Depuis le terrain par contre. Ouais, ouais. Donc si c'est de ton deck, ça peut aller au cimetière. Ok, ça marche. Je vais ensuite... Du coup, elle est non destructible au combat, ok. Je vais finir mon tour. Ok. Il y a deux en 2800 en fait. Ça marche. Pioche. Ah, j'aurais pu faire ça. Ah, j'ai merde. Ouais. Non, mais en fait, c'est con. Parce que c'est que du terrain au cimetière. Vu que tu fais tes trucs depuis la main et depuis le deck, c'est ça. Ok, ok, ok. 2008, ça marche. Je vais faire un mine mystique. Le terrain. Mine mystique. Vu que tu contrôles plus pas de. Exactement ce qu'il fait par contre. Ouais, vas-y, tiens. Alors, tiens, si tu veux jeter un œil au passage, alors ça veut dire que lui dit que si tu contrôles plus de monstres. Ouais. Je ne peux pas activer d'effet. Pas activer d'effet. Si vous contrôlez plus de monstres que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une monstre. Ouais, faire. Ok. Une fois par tour, quoi. Durant la end phase, si chaque joueur contrôle le même nombre de monstres, il faut que ça se fasse. Du coup, je vais. Norme d'USA. Je vais faire son effet. Défausser. Je vais défausser une. C'est bah, défausser, envoyer. Je vais envoyer quoi? Non, je vais pas envoyer ça. Je vais envoyer. C'est vraiment con ce que tu fais. J'avais une autre option qui était beaucoup mieux. Merde. Ça, je crois que je vais avoir les boules. Attends, merde, elle est passée. Ah. Ok. Je vais envoyer vague cubique. Et du coup, vague cubique, vous pouvez bannir cette carte un nombre de monstres cubiques dans votre cimetière. Ah oui, ok. Oui, non, c'est. Non, c'est bon. T'as pas de monstre dans ton cimetière, donc ça, hein? Ouais. Ça pas grand chose, c'est pas grave. Tac. Tiens, si tu veux couper. Hop, bon, merci.
Il est à l'envers, du coup, je crois. Il est à l'envers? Ouais. Il doit être à l'envers. Je vais poser une. Je vais poser une deuxième. Et du coup, je vais faire vague cubique. Alors, ça dit que je multiplie par deux l'attaque de mon monstre et je divise par deux l'attaque de ton monstre. Alors, je vais cibler celui-ci. Okay. Je vais donc diviser 1400. En 1400, du coup. 1400. Et moi, je suis à 3002. Ok. Donc, ça fait 1800. Non, non, il n'est pas détruit. Hein. Pourquoi? Mais ça te divise juste. Non, mais. Ah, tu vas pas l'attaquer. Ok, excuse. Je m'avance dans ma tête. Pour le moment, je suis en main de phase 1. Ouais, c'est ma balle. Non, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est un effet permanent. Ouais, c'est un effet permanent. Du coup, elle part ici. Donc si je me débarrasse pas de lui, je vais prendre cher, parce qu'à chaque fois tu pourras l'attaquer alors qu'il n'y a que 1400 d'attaque. Ouais. Du coup, je dirais une phase, à toi. Ok. Je mets ça là, comme ça tu n'oublies pas qu'il y a une mine mystique. Ok, ça annule les effets des monstres. Ouais. Les monstres sur le terrain ou tous les monstres? Bah tes monstres qui sont... Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, votre adversaire ne peut ni activer d'effet de monstre, ni déclarer d'attaque. Ok, donc dans la main, je peux pas non plus. Ah. Et je peux pas déclarer d'attaque. Je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais faire mon invocation en lien. Ouais. J'ai pas trop le choix. Oui. Ouais. T'as pas de monstre vent dans ton cimetière? Non. C'est vrai. L'idée c'est juste de m'en débarrasser. Donc. Oui. Okay. Du coup, c'est ok. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Alors, toi, tu fais quoi? Non, ça se ok. Je vais. C'est un peu risqué ce que je vais faire, mais. Je vais faire. Il reste combien de temps? 7 minutes? 4 minutes. 4 minutes, ok. Je vais faire Battle Phase. Je vais t'attaquer ton truc avec elle pour la tuer et prendre des dégâts. Ok, elle est à 3002 et je suis à 1850. Donc ça fait quoi, 1850, ça fait 1350. Combien? 1350. Moins 1350. Ouais. 1350. Main phase 2. Ouais. Je vais tenter d'invoquer normalement et d'utiliser son effet. Est-ce que tu négates? Mon invocation, là. Je vais annuler son effet. Ok, pas d'effet. Ça marche. Attends, je peux. Ouais, si. Si. Nous avons l'activation sur le terrain. Nous avons toutes les effets de mon pied dans la colonne. Ok. Toi, c'est un roquet par 5. Ok. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser l'effet de Wind, qui me permet de défausser elle avec un autre banc. Pour aller chercher dans mon deck un vent avec 1500 de dev ou moins. Ok. On est bon? Oui. Je vais aller chercher. Toucher de Blizzard, si c'est possible. Non, parce qu'il a mis une défense. Donc non. Je vais aller chercher une gel clochette. Ouais. Ok. Je vais tenter d'utiliser l'effet de gel clochette pour l'invoquer. Oui, puisque j'ai qu'un seul monstre pour l'instant. Donc pour l'invoquer spécialement. Ok. Du coup je peux pas augmenter son niveau puisque j'ai deux monstres maintenant, alors qu'il y en a qu'un. Je peux faire un 5 ou 7. Je vais faire donc une 5 ou 7.
prend une chise en cible, alors il ne peut pas être détruit au combat non plus. Son effet, c'est que... J'ai plus qu'un monstre, du coup. Eh mais attends, il y avait mine mystique, là. Il fait quoi? Ça dit... J'avais qu'un monstre, hein, quand j'ai attaqué. Mais non, mais après, ton monstre... Il n'a pas utilisé son effet. Attends, parce que t'avais... J'en avais qu'un. J'ai utilisé l'effet pendant qu'il était dans ma main pour l'invoquer. Mais t'en avais deux au bout d'un moment? Au début, j'en avais deux. Ouais, je les ai liés en win. J'ai fait une battle phase, je l'ai tué sur son monstre. Donc j'avais plus de monstre. Ah, ok. Je l'ai invoqué normalement. Bah, du coup, la mine mystique, elle est partie. Ah, elle est partie. Vu qu'on en avait tous les deux un de chaque. Ok. Donc dans ce cas, je suis pas obligé d'invoquer ça par synchro puisque je peux utiliser son effet. Ouais. Ok. Nickel. Merci. Tu me sauves ma gueule. Ouais. Donc invocation synchro suite à son effet, ouais. Qui l'up en 4, donc synchro 8. Mm-hmm. Je t'inflige la moitié des points de dégâts d'un monstre dans mon sorcière dans mon cimetière. Je vais t'infliger 1400. Parce que j'ai un 2800 dans mon cimetière. 400. Ok. Et du coup, je peux détruire une de tes cartes parce que tu as pris des dégâts. Je vais donc détruire parce que. Le monstre Ah, t'as un monstre. Non, je détruis ton background. Je sais pas ce que c'est, mais. Ok. C'était pas une bonne idée. Et je vais faire un monstre reborn. Ouais. Je vais monstre reborn. Monstre reborn quoi? Putain, il est chiant. C'était quoi ton prénom, s'il te plaît? Je vais monstre reborn. Giga. Mm-hmm. C'est pas la même que tout à l'heure, donc même si son effet est annulé, il l'est pas. Ouais. Je vais utiliser son effet. Mm-hmm. Pour aller chercher dans mon deck un monstre sorcière. Mm-hmm. Donc je vais aller chercher une clochette bizarre. Le temps est fini, messieurs. Ok. Ok. Vous avez fait quoi exactement là? J'ai gagné la première, il a gagné la deuxième. Ouais, et puis là. C'est lui qui a plus de points de vie, donc c'est lui. Il a remporté au time. Ok. C'est bon. Je veux savoir ce que j'allais faire quand même, pour curiosité. Ouais, bah vas-y. Hein. Quand t'aurais invoqué un truc, j'aurais juste discard ça pour t'infliger 500 dégâts et utiliser son effet pour te casser une carte. Donc, peu importe ce que c'était, si t'avais qu'une carte. Ouais, après j'avais quoi? Hein, pas mal. Voilà. Ah, l'IDP là, ça. Et ouais. Ok. Bah, bien joué. Bah, pareil, hein. Pareil, bien joué. Ouais. En vrai, j'ai une carte qui est super importante dans le deck que j'ai pas. Je l'ai commandée, j'en ai commandé 3, elles sont jamais arrivées. Donc c'était des quoi? C'est un simple loser niveau 1 que je peux invoquer spécialement si j'ai des monstres avant. Et quand elle est utilisée pour faire une invocation synchro, le monstre peut pas être détruit par des autres cartes. D'accord. Donc ça te rend les monstres indestructibles et intuables. Ah, et ce que j'aurais dû faire au lieu du Shenzhen, ouais. C'était un Wolf Riot. C'est merde. Qui fait qu'à chaque fois que tu utilises un effet de monstre, ah oui, monstre oui. Et après je peux tout renvoyer à ta main. Ouais, je l'ai oublié. J'étais persuadé que le Shenzhen il allait faire quelque chose, alors pas du tout. Non, mais ça va, c'est pas mal, ouais. Et c'est la première fois que tu viens. Ouais. Bah, faut venir plus souvent. Comme ça, tu. Là, j'ai des decks qui sont bien meilleurs, mais je sais pas, j'ai envie de jouer ça. Non, je c'est ce que je construis en ce moment. Donc. D'accord. Ouais, bah après, c'est. T'es là pour te faire plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut, ça. Et du coup, t'as ce nom comme ça, à ce nom? Jean V. Mon côté rocade. Ah oui. Ouais, t'es un peu plus loin, tu. Que moi. Ouais, pas grand chose, non. Ouais, non, pas grand chose. Genre 5 minutes. Bon, du coup, le. Pablo. On sait comment on prend 15 joueurs. Ben, il faut attendre midi. Okay. Je pense qu'il a pas. Faut qu'il prenne les résultats de tout le monde et ensuite c'est des 700. Ouais. Il fait son. Ça prend bruit, puis après il met sur la table là-bas. Il y a une table là-bas. Ouais, j'ai le temps de sortir, juste manger une tranche de pizza. La pizza, j'ai resté dans les cannes. Je pense, ouais. Moi, j'avais fumé. Thank you.
Ah, parfait. Mais je peux pas la faire. Oui, c'est bien, c'est bien.
Tiens, Gaël, mets-toi là si tu veux bien. Et je pense à Simon. Non, le genou me fait mal. J'ai mangé une chaise. Aïe. Donc on peut utiliser nos propres tatouages. Oui, tu le mets par-dessus, il n'y a pas de souci. Ah, merci. Alors, Simon, S-I-M-O-N. Ouais. Gaël, G-A-E-L. Ouais. Ah. Allez, aussi, quand vous êtes prêts, je démarre le temps. Ok, je me suis dégommé sur ta chaise. Tu sais, moi j'ai passé à côté. Ah, c'est moi, j'ai mon pied avec mon genou. Ah, j'ai mal. T'as fait exprès à vous. Non, vas-y, ça, je joue en moyen. Enfin, on s'affronte en tournoi autre que le structure deck. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. C'est ça, c'est la fin de tournoi. Ouais, c'est un style de c'est un style de pas de ouf, c'est pas un style normal. Après c'est chiant, t'as le droit que tu peux pas jouer d'entrable, mec, c'est chiant. Parce que ça te parle de la consistance, c'est vrai. Bon, faut jouer d'entrable haut, c'est bon. Ouais. Je veux bien, elle est mignonne, je dis pas. Je l'ai en x3. Mais voilà quoi. C'est bon.